PPSICA. INC. PPSICA. Avant de commencer mon propos, je voudrais qu'un hommage soit rendu à tous les membres de notre parti, décédés naturellement ou tombés sous les balles à la suite des répressions du pouvoir en place, lors des différentes manifestations pacifiques depuis la création de notre parti. De même, notre fédération aimerait garder une pensée pieuse pour les compatriotes des Kassai, des Kananga, des Mbujimaï, des Kamonensapu, des l'Est, des Beni, Boutembo, Maniema, d'Iba-Congo, d'Ibandundu, de la province orientale et partout au Congo. Et partout au Congo, victimes des affrontements armés. C'est ainsi que je vous demande de vouloir vous lever pour observer une minute de silence en l'air de moi. Merci. Plusieurs soirs. Le président de la direction politique nationale, pour tous les soutiens qu'il ne cesse de porter à notre fédération, et à saluer M. Didier Mpiana, notre secrétaire fédéral, présentement à Kinshasa, pour ses raisons professionnelles. Le 19 juin 2010 au 19 juin 2017, voici 7 ans que notre parti politique a été créé. Il y a quelques jours, j'ai pris l'initiative que notre fédération célèbre cet anniversaire. J'ai reçu un retour spontané et massif par l'engouement enregistré de tous les membres à être présents à cet heureux événement. Et personne ne voulait être en reste. Et j'ai vite compris la vivacité toujours actuelle de notre fédération. Le 19 juin tomba un jour ouvrable et pour ne pas perturber nos activités professionnelles, j'ai sollicité et obtenu de vous que nous fêtions aujourd'hui le 25 juin. Je remercie tous les membres dans ce prestigieux hôtel, dénommé Novotel, où nous avions organisé il y a près de 2 ans une réception en l'honneur de notre président. Le choix de ces lieux montre également l'importance que notre fédération accorde à cet heureux événement. On ne tient pas en rigueur ceux qui se sont excusés en dernière minute. 7 ans, à la fois c'est peu et beaucoup. Peu parce que c'est l'âge de la minorité où on prend à l'école primaire les fondamentaux de l'inscription. Mais cela a été démenti dans la pratique car notre fédération a réalisé beaucoup d'activités, comme les démontrera Maître Albert Mabouna, notre conseiller juridique et membre de la cellule de communication, qui a, dans un mois, nous a gratifié avec un bel article sur l'accord politique du 31 décembre 2016, causant bien né, la valeur n'attend pas le nombre d'années, a dit Pierre Corneille. Par ailleurs, comme vous le savez, notre parti politique a un projet de société très porteur et ambitieux. Permettez-moi d'être moins bavard sur ce point pour ne pas voler la vedette à la dynamique Maman Anna Elungo, notre secrétaire fédéral adjoint et responsable des communications de notre fédération, qui aura l'occasion d'y revenir très largement. Chers camarades, je profite de cette occasion pour inviter chacun de nous à consolider davantage l'implantation de notre fédération dans le coin et recoin de la France et au respect de ses obligations statutaires. Je mesure votre engagement et votre volonté à le faire. J'y crois fermement. Votre présence massive à cette salle le prouve. Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais nous devons faire un effort de dépassement. L'esprit de dialogue, de transparence et surtout de probité dans nos actes et à privilégier. Cela va préfigurer la manière dont nous attendons gérer le pouvoir d'État, car nous avons l'obligation morale de nous connecter à notre peuple qui veut trancher avec les antivalaires du pouvoir actuel. Défendons courageusement notre couleur politique, où que nous nous trouvions, nous ne devons en aucune manière nous écarter de la ligne politique du parti. Enfin, la Fédération attend de vous des suggestions et des critiques constructives pour améliorer son efficacité et sa contribution au parti afin qu'ils atteignent ses ambitions. INC, mon PPSIK, je vous remercie et bonne fête. Chers camarades, Notre fédération née statutairement à la suite de la création de notre parti, se doit comme toute structure humaine ambitieuse s'étant ancrée, faire une évaluation de ses activités par rapport aux objectifs du parti. Et là aussi, ses objectifs à atteindre. Pour y parvenir, des moyens et des marches doivent être mis à contribution. C'est ça l'essence du présent mot que je m'en vais vous communiquer. À sa création, elle a été dirigée par M. Mbassali Golicap et en 2014, M. Didier Mpiana, l'actuel secrétaire fédéral, lui a succédé. Depuis 2010, notre fédération a toujours été très active. Plusieurs réunions et diverses autres activités ont été organisées, malgré un environnement très difficile dans la diaspora. Mais décider d'assumer nos convictions politiques dans toute leur intensité, nous avons bravé tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. À ce jour, notre fédération a des sections en Île-de-France, au Pas-de-Calais, à Grenoble, à Mantes-la-Jolie, Strasbourg et Lyon. En nombre de ces activités, nous allons souligner notamment les soutiens à la marche organisée après les attaques terroristes survenues en France en 2015 pour nous associer au peuple français et au cours de laquelle la fédération a brandi les banderoles à l'insigne du parti en réclamant également la protestation de la communauté internationale contre les tueries des Béni. Nous avons également accompagné notre président national à l'occasion de ses différentes communications devant certaines institutions politiques françaises, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale et certaines structures privées. Il s'agit particulièrement de ses brillantes interventions au 6e bureau de l'Assemblée nationale française et au Quai d'Orsay en présence des grands de la politique française. Toujours dans ce cadre, il faut souligner que sa communication devant Sinopia, Nouvelle Gouvernance, où il a exposé sur sa vision pour la République démocratique du Congo, a impressionné tous les participants et restera gravé dans les annales de cette institution privée. Conjointement avec la Fédération de la Belgique, notre fédération a déposé en son temps au Parlement européen un mémo pour demander son appui à la protestation formulée par les partis contre l'acharnement dont notre président faisait l'objet de la part du pouvoir. Il nous a été également donné de déposer des mémos au Quai d'Orsay, notamment lors du dialogue de la cité de l'OIA, et de communiquer à Kinshasa notre position sur les questions d'actualité impliquant les partis. Notre réseau interne WhatsApp, qui est un véritable forum de débat ouvert et très animé, et nous réagissons au plus vite sur les réseaux sociaux et les médias numériques de la diaspora sur tout ce qui touche à notre parti et à notre président national. Ce fut le cas lorsqu'à la suite de notre participation au dialogue de la cité de l'OIA, les besoins de clarification pour la diaspora de la position de notre parti s'est révélé plus que nécessaire. La structure des jeunes et celle des femmes, piliers essentiels de notre parti, ont eu également à organiser de manière particulière certaines activités. Cela prouve que notre fédération déploie toute son énergie pour la cause du parti. S'agissant des objectifs, en se gardant de s'écarter de la ligne idéologique de notre parti et de l'objectif principal de tout parti politique, qui est celui de conquérir le pouvoir, notre fédération ne ménagera aucun effort en vue d'appuyer les instances nationales de notre parti pour l'atteindre. C'est ainsi qu'elle a décidé de déposer, dans les meilleurs délais, au Quai d'Orsay, un moment pour demander l'appui du gouvernement de notre sur la CENI pour la publication sans tarder du calendrier électoral, parce que notre fédération estime que c'est le seul élément qui peut désamorcer la tension sociopolitique qui couvre actuellement dans le pays et dans la diaspora. Par ailleurs, notre fédération tient à participer au mini-congrès de l'UNC Europe qui se tiendra en Norvège en septembre prochain. Il est essentiel que la fédération occupe l'espace médiatique pour expliquer la vision de notre président national et les projets de société de notre parti. Une campagne d'éducation citoyenne à l'intention de nos membres tenant à la connaissance des fondamentaux de la loi électorale sera tenue. Tous nos candidats aux prochaines élections générales seront les premiers concernés. Des échanges sur les expériences électorales tant en RDC qu'en France seront impérativement organisés pour mieux préparer les candidats de notre fédération aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Enfin, nous lançons un appel aux instances nationales de notre parti pour une collaboration permanente et plus efficace entre les secrétariats nationaux qui a la charge des fédérations extérieures et notre fédération, afin que nos propositions arrivent effectivement à notre président national. Mise en œuvre, ces démarches nous amèneront certainement à la victoire finale, c'est-à-dire l'accession au pouvoir politique suprême par la voie électorale, comme aime le dire notre président. Ce qui est important est la passion pour la RDC et non l'obsession du pouvoir. UNC Viva. Viva. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer la parole à Maman Anna Elungo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour ba mama. Bonjour. Ba mama oye. Oye. Ba papa oye. Oye. Esengo ezali. Ezali. Yebele. Namoni soleil kitoko boye, mais tozala mapamboli. Hein? Il faut que soleil wane rayonne mitema na biso lokola. N'est-ce pas? Très chers frères et sœurs, camarades militants de l'UNC, très chers invités, 7 ans déjà. Voilà 7 ans donc que naissait l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, notre parti. Voilà 7 ans que nous nous sommes mis en ordre pour une bataille politique dont le but est de redonner au Congo sa grandeur. Refaire de notre pays ce lieu où bat le cœur de toute l'Afrique. Le pays de la joie de vivre. Le miroir de l'humanisme. Avec fierté, avec orgueil même, les couleurs de notre parti flottent sur tous les continents du monde, dans toutes les régions de notre pays et même dans les villages les plus reculés de la RDC. Aucun parti politique congolais peut se vanter d'être aussi bien représenté dans le monde que le nôtre. L'UNC est aujourd'hui une force qui compte sur la scène politique nationale et internationale. Bravo et félicitations à tous nos militants et toute notre équipe dirigeante qui sont les artisans de ce rayonnement de l'UNC. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour nous inviter tous à revoir et à nous réapproprier une fois encore le projet politique de notre parti la vision de l'UNC pour l'avenir de notre pays et les grands axes de notre programme d'action. Lorsqu'il présentait sa vision pour l'avenir de notre pays et qu'il comparait la RDC avec le Brésil, notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, proclamait avec force que le sort du monde libre, l'avenir même de l'humanité, se jouera en RDC. En effet, il fut un temps où la simple vocation de Kinshasa ou du Congo faisait rêver toute l'Afrique et même au-delà des mers. Les jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas. Il faut que le Congo puisse de nouveau parler au monde. Je suis personnellement convaincu que notre pays porte une grande part de l'espérance du monde en général et de l'Afrique en particulier. Mes très chers frères et sœurs, je me permets de rappeler à tous que ce sont les idées ambitieuses qui créent les grands rassemblements et les grands partis politiques. Ce qui crée l'âme d'un parti, ce sont toutes les luttes menées ensemble pour des idées et des convictions que nous confessons ensemble et que nous défendons ensemble. Ce qui crée l'âme d'un parti politique, c'est encore la foi dans son projet politique, la confiance, l'abnégation et notre même détermination pour la cause à laquelle nous croyons tous. Nos compatriotes veulent savoir, et ils ont raison, pourquoi nous les invitons à nous rejoindre dans l'UNC. Ils veulent connaître les solutions que nous leur proposons sur la question nationale, l'école, l'agriculture, le paysanat, les routes et les autres infrastructures de base qui sont le fondement même de la lutte contre la pauvreté. Ils veulent encore savoir comment nous voulons lutter concrètement contre les maladies, la faim, l'exode rural, qui saignent nos villages, le chômage, le désœuvrement de la jeunesse, l'insécurité, l'ignorance et le délabrement moral qui affectent notre peuple. Le projet de l'UNC. Pour nous qui sommes membres de l'UNC, toutes ces questions ne se posent plus. Nous avons tous déjà compris que la création de ce parti était en lui-même un acte citoyen et un sursaut républicain pour relancer la machine et les institutions républicaines mises à mal par des années d'incurie et de gestion calamiteuse de notre pays. Notre projet politique proclame notre foi dans la nation congolaise et dans l'aspiration de notre peuple à vivre en paix et dans la fraternité, dans des frontières sûres, sacrées, inaliénables, sécurisées et intangibles. Notre parti s'est engagé à œuvrer pour un Congo démocratique dans lequel l'homme vivrait libre et épanoui spirituellement, moralement, physiquement et intellectuellement. C'est-à-dire un pays fondé sur les valeurs que sont la laïcité, la liberté, la justice, l'égalité, la solidarité, le travail productif qui est seul créateur des richesses, la tolérance, le droit à la différence et une coopération internationale mutuellement avantageuse. Étant un parti politique, l'UNC a pour but la conquête du pouvoir, mais par la voie du suffrage universel, c'est-à-dire sans recourir à la violence. Nous voulons d'abord rendre à la politique toute sa crédibilité. La politique ne doit plus être cette instance du mensonge et de l'enrichissement facile. La politique ne peut plus être cette instance où l'on s'occupe en priorité de sa famille et de ses copains en négligeant la recherche des solutions aux préoccupations de la collectivité. Il faut gouverner et gérer dans l'intérêt de la nation entière et de tout le peuple. But est de rendre l'homme congolais prioritaire dans son propre pays. Pour y parvenir, le projet politique de l'UNC propose à notre peuple de relever plusieurs défis existentiels, notamment la refondation de l'État en lui restituant ses fonctions régaliennes, la préservation de l'unité nationale, l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, le retour à la paix totale et la consolidation de la démocratie avec l'acceptation de l'alternance du pouvoir. La lutte contre la pauvreté en posant les bases du développement durable. L'amélioration des conditions de la vie en général, entre parenthèses, autosuffisance alimentaire, éducation, soins de santé, habitat, emploi, eau potable, électricité, transport, etc. La lutte contre la corruption, la lutte contre la marginalisation de la femme congolaise. Elle doit assumer plus de responsabilités publiques. La lutte contre toutes les antivaleurs, lutte contre l'analphabétisme, la relance de la production agricole industrielle raisonnée, la garantie du droit de vote. Le projet politique de l'UNC veut réellement rendre à chaque Congolais sa part du Congo. L'État, la nation et la République ne doivent laisser aucun citoyen sur le bord de la route. C'est cela la solidarité nationale et républicaine dont a toujours parlé l'honorable Vital Kamerhe, notre président national. Bravo! Généralement, il évoque la locomotive qui tracte plusieurs wagons. Même si les wagons n'offrent pas tous les mêmes conditions de confort, même si les voyageurs ne sont pas tous logés à la même enseigne, tout le monde doit pouvoir atteindre la destination finale. Arriver à bon port, ensemble et à la même vitesse. À l'UNC, nous voyons et nous pensons donc le Congo de demain en grand. Au superlatif et nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Pour terminer, je souhaite à tous et à toutes et en particulier à l'honorable Vital Kamerhe, notre président, Un très bon et très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, UNC, joyeux anniversaire. Félicitations pour ce qui a déjà été fait et beaucoup de courage pour ce qui reste à faire. Surtout en cette veille des élections qui s'annoncent tumultueuses. Puisse le bon Dieu soutenir notre parti et protéger la RDC. Oh, vive l'UNC! Vive la République! Merci Maman Anne pour cette énergie. Et Botama et l'amour pour l'UNC. Nous sommes aujourd'hui pour fêter l'anniversaire. Nous n'avons pas beaucoup de discours à tenir. Nous allons passer à table. Et puis, s'il y a un petit télé-baladère à faire, on le fera dehors. Et jusqu'à 20 h après, nous allons partir. C'est vrai? C'est-à-dire qu'il y a des échanges valables et puis il y a échange. Joyeux anniversaire pour la INC. Je vais inviter l'équipe de jeunes, Maître Perry et Mademoiselle Evelyne pour représenter ma maman. Au Katamso Gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, INC. Joyeux anniversaire. Bonjour tout le monde, c'est Maître Libota Perry, chef du département de la jeunesse de l'UNC France. Donc nous sommes aujourd'hui réunis ici à Créteil pour fêter les 7 ans de la création de notre parti, l'UNC. Et cette date tombée 19, mais bon, nous sommes réunis aujourd'hui, vu la mobilité et puis la disponibilité de chacun. Donc nous sommes convenus qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui dimanche pour fêter cet événement. Donc l'UNC veut réaffirmer son soutien à son président national Vital Kamerhe, qui pour nous porte les espoirs d'un Congo nouveau, du Congo de demain. Notre projet assez mûri le prouve et nous réaffirmons à l'occasion de cet anniversaire ce soutien-là indéfectible. Donc papa, maman, tout le sang les loa pour tout fêter 7 ans à UNC Nabiso. Peto la kisa mokili mobimba que UNC France est toujours sima, il y a Vital Kamerhe mokondi ya parti UNC. Pour un projet Nabiso la société, ils ont la kisa c'est que tous allez vraiment makasi pour la tous bongo la Congo on est à lobby que moto biso toponi Vital Kamerhe nda ko mema Congo à lobby. Donc yangwana to sepeli sous makasi elongo to sangani a point to kanisa sous ligambo to kanisa sous idée wana to kanisa ngol makasi to renforcer yango. Donc ça vraiment esengo mingi. Donc pour na lobby bobo santé na mikolo koya bo s'enrôler bandeko baza na Kinshasa vraiment bo s'enrôler bo vana banda kuna binote to s'enrôler pour na to ebi que soki to s'enrôler enrôlement des silina tomoko ya bien et que ça a moyen de pression pour na biso to exiger que l'élection est salama avant le 31 décembre ndenge to kananga ba décola mususu to na minga kolobate a to na esengo to ya kolia to eko mela to bosa binote bandeko ya UNC na travers mokili mobimba UNC France et ça toujours ensemble na bino et toujours derrière Vital Kamerhe et son président national. Merci et bonne fête à tous.